m'attend une longue série. Écoute, 8-9 au classement, des équipes assez balancées, une équipe bien coachée de l'autre côté. Fait que, genre, ça commence. On a une semaine de pratique. Il en reste une de moins là, pour finir quelques petites affaires. Mais je sens que les gars sont prêts. J'ai hâte de voir comment ça va aller samedi. C'est quoi l'état d'esprit dans le vestiaire des Remparts? On ne peut pas être meilleur. On a bien fini l'année. Les gars s'en reviennent en santé. Les gars, on va voir demain, là, après une pratique en couleur, cours à chef, puis Verrette, on pratique aujourd'hui. Ça a l'air d'avoir bien été. On n'a aucune raison de pas être plein de confiance. On est en santé versus l'année passée qu'on ne l'était pas du tout. Mais il reste que tout va. On va voir comment l'équipe est rendue et comment ça va, le mec, la rondelle tombe sans glace samedi. On a passé 2 ans à donner des rôles importants dans l'équipe, à travailler avec eux autres. On a greffé des vétérans, on a des joueurs qui ont grandi avec nous autres, qui sont rendus à maturité. Puis l'ajout d'Antoine Samuel, les gars de Charlottetown, ça fait pas évidemment nous autres la meilleure équipe depuis 3 ans. Arnaud, commençons par le plus important, parle-nous de ta coiffure. Je pense que c'est plaisant de faire ça avec toute l'équipe. Je pense que ça prouve qu'on est unique, tout le monde est fin prêt aux séries. Je pense que tout le monde a remarqué que ça commence. Ça marque l'entrée dans les séries, c'est excitant pour tout le monde? Oui, vraiment. Je pense que on l'a prouvé cette semaine dans les pratiques. Je pense que tout le monde est focus, tout le monde travaille fort. Puis on a juste hâte à samedi pour que ça commence. Parle-nous un peu des Highlanders de Charlottetown, ou en tout cas ce que vous en savez. Oui, c'est sûr qu'on ne joue pas vraiment souvent contre eux autres, seulement 2 fois, mais je pense qu'on va avoir le temps de bien les étudier. C'est une équipe qui travaille fort, sont très bien structurés, jouent bien dans leur système. Je pense que si on match leur éthique de travail, puis on travaille une coche plus fort qu'eux, je pense que ça va bien aller.